Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. La petite recette, c'est très rapide et pas très rapide. Hey! Je vais vous présenter comment je fais mes piments d'accompagnement. Soit avec la tiki, aloko, banane bouillie, rag, bon, peu importe. Donc, pour en savoir plus, on y va. Je commence tout d'abord, je commence par mon piment rouge qui sera composé de piment d'eau rouge, un poivron, tomate, oignon, piment sec avec du sel, du poivre, et là mon bouillon d'assaisonnement en poudre que je vais rajouter dans toutes mes préparations. Ici dans la casserole là, j'ai déjà nettoyé tout ça là. Je vais faire bouillir oignon, poivron, là j'ai pris la tomate en boîte, je vais en même temps, je vais laisser cette tomate là. Je vais saler, poivrer. Et lui, je vais laisser cuire pendant jusqu'à ce que les légumes soient cuits. Ici, comme ma première part de piment là, mais on va le nommer, ça c'est le piment rouge là. Quand les ingrédients sont cuits, ici j'ai le piment sec que j'avais présenté au début de la vidéo. Je vais écraser tout ça là bien lisse. Voici la mixture obtenue là. Là, je vais rajouter mon bouillon d'assaisonnement. De l'huile. Je vais rajouter un peu de sel encore. Et on va laisser sur le feu là jusqu'à obtenir un mélange bien épais. Ici mon piment numéro 2 sera composé d'oignons, de la tomate, feuilles d'oignon, poivron jaune. Je vais nettoyer tout ça là pour le faire cuire juste en salant et poivrant. Simplement changer les casseroles. Ici j'ai les ingrédients de les légumes de ma deuxième pâte là qui sont prêts. Je vais les mixer. J'ai pas laissé cuire poto, et c'est légèrement croquant. Je vais rajouter ça ici. Là, je rajoute de l'huile. Tu veux quoi? Tiens. De l'huile. Mon bouillon d'assaisonnement là. Si vous consommez des cubes d'assaisonnement industriel, tiens. Vous pouvez rajouter un bouillon magie poulet. Là, je vais faire revenir tout ça là jusqu'à ce que ça se devienne épais. Pour le piment noir là, j'ai utilisé l'oignon violet haché, un peu de poivron rouge et puis tomate hachée, concentré de tomate, il y a quoi? Pas dormir. Ici, nous avons poireau, feuilles d'oignon haché, mon oignon violet, un peu de piment doux, un peu de poudre de sous-marin,
et mon bouillon d'assaisonnement fait maison. La recette est déjà sur ma chaîne. Oh! Fais frire tous les ingrédients sans rajouter de l'eau. On va les cuire avec le jus des légumes là. Bien brouillé. Là, je passe à mon piment, mon quatrième piment, qui sera composé de piment vert. Je vais les hacher grossièrement. Je vais mixer mon piment là avec de l'ail et puis du gingembre. Un peu de jus de citron. Et de l'huile pour faciliter la mixture. Pardon, le mixage. Ouais, enfin, c'est là, on est gauche-gauche. Voici le piment là que j'ai renversé. On va l'assaisonner maintenant. Je vais rajouter de l'huile. Du sel, du poivre. Avec juste un peu de moutarde. Oh, sorry. Le piment a pris quoi, non? Oh, va boire de l'eau. D'accord. Là, il est bon, je le réserve de côté. Enfin, toutes mes préparations sont prêtes. Ah, ça n'a pas été du tout facile. Là, je vais renverser dans mes différents petits bols. Ah, j'ai une grosse commande aujourd'hui. On va en profiter pour enregistrer en même temps la vidéo. Là, mes piments sont prêts. On va passer à autre chose. Je vais frire mes poissons. D'abord, je vais frire mes poissons. Ok, les amis. Voici le résultat de mon plat. Donc, si tu as aimé la recette, n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis de partager. Tu peux aussi activer la cloche de notification pour recevoir des alertes lorsque je mets en ligne de nouvelles recettes. Soit on se dira bye bye.